Moi, je veux que vous partiez d'ici avec le sourire et que vous puissiez un jour revenir avec le sourire. Et pas dire, je me suis fait démonter quelque chose, l'arbitre n'a pas arrêté, il y a eu un problème. Ça, je ne veux pas. Je ne veux pas. Si maintenant un coach estime que son combattant, l'arbitre n'a pas arrêté assez vite, mais estime que ça va trop loin, il se lève, il crie une fois, on arrête le combat tout de suite. En dernier recours, il y a un docteur. Le docteur sera là pour dire, ce sera le gros patron quelque part. Si le docteur estime qu'il y a un combattant qui est blessé, qui saigne ou qui a un souci, il peut se permettre de rentrer dans l'octogone, arrêter le combat, regarder le combattant, on arrête le combat. Un combattant qui saigne, on lui laisse une minute. Après une minute, si c'est toujours, on arrête le combat. Quelle que soit la coupure. Je remercie Thierry de tout ce qu'il fait pour la Belgique au niveau Free Fight. Et c'est que le début de grandes choses, parce qu'il y a beaucoup de combattants belges, russes, tchétchènes, beaucoup de tchétchènes. Français qui méritent de combattre et essayer de rentrer dans de très très grosses organisations. Et c'est grâce à des événements comme ça, ou comme le prochain gala de l'OFC, qui vient arriver. Voilà notre objectif. Je vous remercie à tous. De plusieurs combattants français. Je m'occupe pour diverses organisations comme le M1, le Cage Warrior avec Fred Fernandez, le Fight Ignite, plusieurs organisations. Là, je suis en collaboration avec Thierry Poulain qui est un très très bon ami à moi et avec qui on a lié vraiment une amitié sincère. Et on fait du super boulot ensemble et les projets qui vont arriver fin 2012 et pour l'année 2013 vont être super.